Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour l'édition 2020 des ateliers de la proximité, organisée par la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette année, exceptionnellement en visioconférence, eu égard aux circonstances du moment. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je laisse la parole au général de corps d'armée Marc Lévesque, commandant la région de gendarmerie. Mon général. Merci Christophe. Bonjour à vous, bonjour à l'ensemble de nos interlocuteurs, intervenants, auditeurs connectés, contributeurs techniques et organisateurs, bien évidemment. Comme le disait Christophe Clarinard, notre animateur, notre modérateur en introduction, le format de cette année est un peu particulier. Les deux années précédentes, nous étions sur un format classique de colloque en présentiel. Donc, le confinement, vous le comprenez bien, nous a incité à basculer dans ce mode-là qui présente sans doute des contraintes, mais aussi des avantages. En tout cas, nous en tirons des enseignements. Chaque année, donc, dans cet exercice, je me fixe comme objectif de conserver certains invariants, notamment la notion de proximité, au sens proximité du service public, par rapport à la société civile, et la notion de territorialité, c'est-à-dire, pour résumer, un ancrage avec la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est en tout cas, l'axe que j'ai souhaité fixer à cette action lorsque nous l'avons lancée il y a 3 ans maintenant. Chaque année également, donc, nous essayons de choisir un nouveau thème, un thème qui colle quelque part à l'actualité du moment, qui soit lié au moins partiellement à une problématique de type sécurité de la société, de nos concitoyens, et qui colle également, d'une part, à la stratégie de la gendarmerie et aux priorités du moment de nos interlocuteurs ou de nos partenaires extérieurs. Donc cette année, la cybersécurité dans une logique territorialisée, la cybersécurité au cœur des territoires. Pourquoi ce thème? Donc, comme je le disais, les termes proximité territoire sont importants. Le terme cybersécurité, ben, vous l'avez constaté au cours de cette année un peu particulière, a vu son importance et sa sensibilité croître et croître également l'intérêt qui porte différents pans de la société française. Donc la cybersécurité en tant que gendarme constitue un de nos nouveaux axes stratégiques, une dimension stratégique. Donc le directeur général a souhaité inscrire depuis le début d'année dans son plan stratégique à 5 ans, ce qu'on appelle le plan GEND 2024, dans la mesure où on considère que compte tenu des évolutions de la société, des évolutions technologiques, des évolutions des modes de vie, de consommation, il faut maintenant qu'on investisse professionnellement largement cette dimension pour continuer à fournir un service public de qualité, non pas en substitution, mais en complément de ce que nous nous efforçons de prodiguer dans la vie réelle, passez-moi l'expression par opposition à la vie virtuelle, dans la vie réelle et dans la dimension physique de notre société française. Donc c'est un choix stratégique qui est fait et dans lequel nous commençons à investir donc dans la durée, à l'instar de ce que... des choix que nous avons pu faire dans les décennies précédentes, soit en matière de police technique et scientifique, par exemple, à partir de 1985, soit en matière de système d'information et de communication dès les années 70. C'est un effort qui sera régulier, qui sera à la fois quantitatif, qualitatif, qui n'a pas d'intérêt, je dirais, intrinsèque, qui n'a d'intérêt que parce qu'il nous permettra de délivrer des services je dirais, toujours attendu et toujours de bonne qualité au profit des différentes composantes de la société. Donc la société,
grosso modo, deux types de périmètres en matière de cybersécurité, la sphère privée, les individus, la sphère familiale, enfin les Français à titre individuel, et la sphère, je dirais, professionnelle, c'est-à-dire les entités de type entreprise pour général ou association ou administration à titre collectif. Nous bâtissons un schéma donc qui veut progressivement prendre en compte ces différentes entités, ces différents périmètres. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas le faire seuls. Comme je le disais tout à l'heure, ça serait vain. C'est dans cet esprit-là d'ailleurs que je me suis permis d'inviter un certain nombre d'intervenants venant d'horizons divers, que ça soit la sphère des collectivités territoriales, grâce à Madame Bruneteau, qui représente le Conseil de Région, que ça soit les sphères d'entreprises spécialisées, que ça soit le monde associatif avec Madame Coroma qui représente l'association Emmaüs Connect, que ça soit l'amiral Osseur qui représente la Fondation méditerranéenne des études stratégiques, et les autres me pardonneront de ne pas les citer nominativement. Voilà, nous sommes quelque part condamnés et nous sommes aussi persuadés que seuls les échanges de points de vue, le partage des approches, je dirais, chacun en fonction de son métier, permettront collectivement à la société de rester efficace face à la diversité des risques en matière de cybersécurité. C'est l'esprit dans lequel le colloque a été organisé, c'est l'esprit à partir duquel nous avons souhaité le structurer en deux tables rondes, dont les thèmes vous ont été communiqués, et c'est l'esprit dans lequel nous avons essayé d'orienter les invitations vers des segments plus spécifiques, je dirais, de notre environnement. Je le disais tout à l'heure, les collectivités locales, les associations, les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs, autant de publics qui peuvent manifester, les étudiants et les enseignants, bien sûr, notamment universitaires, autant de segments de la société qui peuvent éprouver un intérêt ou avoir un intérêt à s'impliquer dans ces questions et à partager des informations propres à cette dimension. Quels intervenants? Donc, je disais tout à l'heure, je laisserai Christophe Clarinard les introduire personnellement lors des tables rondes. Les intervenants, bien sûr, que je remercie encore une fois de leur disponibilité et de leur patience, ont été sollicités en fonction d'une expertise, d'un angle d'analyse, d'un angle d'approche ou d'un profil spécifique en termes de représentativité. Ils sont pour la plupart majoritairement implantés en région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, même si c'est pas, y a aucune exclusivité. Et ils sont impliqués dans cette problématique sur des aspects généralement complémentaires de ceux traités par la gendarmerie, qui sont, comme vous pouvez le deviner, relativement classiques. La gendarmerie dans ce domaine-là, elle s'implique techniquement, mais au vu de délivrer ensuite une qualité de service public, à la fois dans le spectre de la prévention des infractions, dans le spectre de la répression des infractions, une fois que les infractions ont quand même été commises, à la fois dans la sphère citoyenne, c'est-à-dire la protection du particulier, notamment des franges les plus vulnérables de la société, et à la fois dans la sphère, professionnelle, donc le monde des entreprises, le monde de l'enseignement, le monde des associations. Les deux tables rondes devraient normalement, je fais toute confiance aux qualités d'animation et de débatteur de Christophe Clarinard, les deux tables rondes devraient nous permettre collectivement de balayer ces principaux thèmes, et je suis persuadé qu'elles seront fructueuses grâce à la qualité des intervenants, comme je disais, et vivantes. En tout cas, c'est l'esprit dans lequel nous avons essayé de constituer cette action, de bâtir ce webinaire, dont je suivrai les échanges comme toutes les personnes inscrites. Je souhaite d'ores et déjà à chacun et chacune d'entre nous d'en retirer les meilleurs bénéfices. En tout état de cause, nous serons preneurs en tant qu'organisateurs à l'issue du retour d'expérience que chacun d'entre vous, intervenant ou auditeur, souhaitera nous communiquer. Merci encore et Christophe, je vous rends la parole. Merci mon général. Quelle thématique d'actualité.
Il ne se passe pas un jour sans que nous n'apprenions que telle ou telle entreprise, organisation, hôpital, collectivité territoriale n'ait fait l'objet d'une cyberattaque. Nos concitoyens et nous-mêmes sommes touchés de plein fouet par des tentatives quotidiennes de phishing, en français hameçonnage. Pour faire le point sur la question, notre première table ronde, qui sera scindée en deux parties, s'intitulera « Protéger les publics vulnérables, citoyens, personnes fragiles et petites entreprises ». Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, dans un premier temps, M. Philippe Chabrol, directeur des études de l'École européenne d'intelligence économique à Versailles, et M. Julien Valiant, président fondateur de la société CyberWings à Marseille. Pour planter le décor, permettez-moi de poser la question à un hacker professionnel, un hacker éthique, s'entend, un chevalier blanc qui œuvre du bon côté de la force. Monsieur Valiant, pour l'éclairage du public et de nos auditeurs, avec des mots simples, qu'est-ce que c'est qu'un hacker? Qu'est-ce que c'est que du phishing, le hameçonnage? Qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel, ransomware? Et pour le coup, qu'est-ce que c'est qu'un déni de service distribué? Alors, ce sont tout d'abord des mots qui font un peu peur quand on ne les connaît pas. Le hacker, littéralement, ça veut dire bidouilleur. C'est quelqu'un qui va s'amuser à détricturer des choses pour essayer d'en faire quelque chose d'autre. Donc, soit le mettre à son service, hein, il exploite peut-être des vulnérabilités qui lui permettent de faire ce qu'il veut avec. Ça peut être aussi dans un cadre d'innovation, on parle d'innovation disruptive. On a des bons et des mauvais hackers. On en a beaucoup d'exemples depuis que cette notion existe, hein, depuis les années 50 hein, quand même. On a des hackers qui font de la recherche hein, sur les systèmes. On a aussi des hackers qui essaient d'en tirer un profit personnel. Donc on appelle ça des black hats, ce sont des cybercriminels. On a dans l'histoire des hackers qui sont célèbres. Steve Jobs, par exemple, quand il a commencé à faire sa première machine dans son garage, c'est du hacking. Hein, il a tritouillé des technologies pour en faire quelque chose d'innovant. L'hameçonnage, le phishing, ça consiste à solliciter une cible, soit pour lui récupérer de l'information, soit pour lui faire une action. Le phishing classique, on le connaît par l'email, mais ça peut être aussi par d'autres moyens, comme par exemple par le SMS, où on va demander, c'est le cas en ce moment avec les livraisons à domicile, on vous a envoyé un code, on s'est trompé, ou je me suis trompé de téléphone, est-ce que vous m'envoyez le code que vous avez reçu? Ça peut être aussi avec des QR codes, hein, vous savez, les codes barres un petit peu enfin, en carré, qu'on peut flasher pour arriver sur une URL. Un rançongiciel, c'est un type de logiciel malveillant dans la famille des virus. C'est un virus particulier qui ne détruit pas des informations, mais au contraire, il les chiffre avec une clé qu'il connaît lui seul, et il propose à ses victimes de pouvoir déchiffrer ces informations en lui achetant la clé. Donc c'est comme si on changeait la clé de votre serrure et qu'on disait, si vous voulez rentrer chez vous, il va falloir m'acheter ma clé. Le déni de service, c'est une attaque par une multitude. Alors on parle de distributed denied of service, c'est des déni de service distribués. Donc des personnes sont capables de mobiliser plusieurs centaines de milliers de machines pour venir simultanément solliciter une ressource. Alors, consulter un site internet ou essayer de se connecter à un colloque à distance. Donc, si le système en face n'est pas dimensionné pour autant de visiteurs, à un moment, il va crouler sous les demandes, il va essayer de faire son mieux, mais un utilisateur légitime qui viendrait derrière verrait le service inaccessible car surchargé. C'est comme si vous donniez votre numéro de téléphone à plusieurs centaines de milliers de personnes en leur disant « envoyez-moi des SMS et puis vous aurez un cadeau ». À un moment, vous allez avoir du mal à passer vos propres appels. Oui, merci. Merci, M. Viagant. Ça résume bien à peu près, avec des mots simples, ce à quoi sont confrontés les citoyens au quotidien. Merci pour ces rapides définitions hein, de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, notamment déjà sur notre territoire national. Il ne faut pas oublier que ça concerne tous les Français. Sur le territoire régional, c'est un colloque que nous voulons surtout et avant tout régional, et dans notre quotidien de citoyens et d'internautes. Je voudrais rebondir sur l'entreprise et la contrainte qui s'impose à plusieurs d'entre elles aujourd'hui, le télétravail de chez soi. Monsieur Chabrol, en votre
qualité de président de la société de conseil Affinis. Vous aviez attiré mon attention lors de nos entretiens téléphoniques préalables sur l'accroissement exponentiel du risque cyber du fait du télétravail. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment vos clients, entreprises, et notamment les ETI, les PME, les TPE, gèrent-elles le télétravail? Alors, oui, très bonjour à tous. Alors, c'est vrai que le télétravail, ça a été mis en place là, avec Covid, j'allais dire Covid-1, très très vite au sein des foyers et dans les entreprises. Et donc, en fait, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées vulnérables, particulièrement donc en raison de l'utilisation inappropriée de leur ordinateur professionnel. Et ça, c'est un énorme risque pour la sécurité des serveurs de l'entreprise, car cela multiplie en fait en gros les différentes possibilités de portes d'entrée pour les attaques. C'est-à-dire que vous, chez vous, chez un particulier, le système d'information, il n'est pas du tout sécurisé de la même manière que le système d'information au sein de l'entreprise. Et donc, il est intéressant de voir, il y a deux chiffres que je peux rappeler comme ça à l'auditoire, c'est que juste avant janvier 2020, vous aviez, sur le premier confinement, vous aviez 1200 cyberattaques liées au Covid-19. En avril 2020, 380 000 cyberattaques ont été liées au Covid-19. C'est pour vous rendre compte, en fait, de l'importance des cyberattaques liées, en fait, au télétravail. C'est-à-dire que là, beaucoup de sites, alors on a parlé tout à l'heure avec M. Valente, mais beaucoup de faux sites comportant les mots Covid, coronavirus ont été créés. Des faux emails aussi proposant des masques, des gels ont été envoyés à des personnels. Et donc, beaucoup de clics ont été faits, puisque la vulnérabilité, finalement, dans ces sujets-là, c'est vraiment la personne physique. Le télétravail, finalement, le risque, c'est que vous allez travailler de chez vous, hors des infrastructures réseau de votre entreprise. Donc, en fait, la sécurité de l'entreprise et de ses données n'est plus entièrement assurée par elle, mais par vous, en fait, désormais, enfin, par le citoyen lambda. Et donc, beaucoup plus vulnérable. Vous allez utiliser également votre infrastructure personnelle pour des activités professionnelles. Donc, vos données personnelles, vos accès réseaux personnels et professionnels seront mélangés, ce qui multiplie en fait les risques également. Et d'autres personnes non internes à votre entreprise seront potentiellement autour de vous pour vivre, hein, votre famille, vos amis, vos colocataires. Et donc, en gros, la confidentialité est mise à mal aussi, et les risques de négligence ou de malveillance augmentent également. Donc, en gros, la malveillance, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les malwares, le phishing, les ransomware, les arnaques au président, enfin, tous ces types d'attaques qu'on voit apparaître et qui ont été multipliées pendant les confinements, sont très dangereuses. Ça, c'est de la malveillance. Puis, il y a la négligence aussi. C'est quand on laisse la porte ouverte à des cyberattaques ou la prise de données. Vous laissez, par exemple, votre session de travail connectée chez vous. Voilà, c'est des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. En permanence. Oui, merci Monsieur Chabrol. Vous nous avez parlé du salarié là, et du collaborateur qui travaille à distance de chez lui, mais tous nos concitoyens ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Monsieur Valiant, là, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Chabrol et notamment sur le facteur humain, pouvez-vous nous dire comment s'y prennent les hackers pour pas venir à leur fin? Que conseillez-vous lorsqu'une attaque survient? C'est une double question, je vous l'accorde. Alors, évidemment, et c'est bien que la question soit double, puisqu'on ne peut dimensionner sa défense qu'en connaissant l'attaque. Sinon, on se protège contre pas assez ou trop. C'est pas adéquat. L'attaquant va essayer de saisir toute opportunité. Une porte mal fermée, il va essayer d'y rentrer. Donc, l'attaquant est toujours sur le qui-vive et essaye de veiller tout ce qui peut rentrer à son service. Et notamment, des périodes comme le confinement, c'est quelque chose qui est juste génial pour la cybercriminalité. Parce que, comme le disait Monsieur Chabrol, la surface d'attaque explose, les murs tombent, les villageois retournent dans les champs. Et du coup, c'est très intéressant pour la prédation, puisque là, la multitude est possible. L'attaquant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il veille et il fait de la reconnaissance. Il a une sorte de radar et régulièrement, il regarde s'il y a possibilité de faire quelque chose. C'est comme si quelqu'un passait systématiquement, quand vous fermez la porte de chez vous le matin pour aller au travail, quand on allait au travail, pour voir si la porte est bien fermée. Un jour, il peut avoir une opportunité. On n'a pas fait la bonne mise à jour parce qu'on n'avait pas le temps, on n'a pas changé le mot de passe, etc. La porte est mal fermée et là, il va y rentrer.
il va saisir cette opportunité, il va exploiter la faiblesse. Une fois qu'il aura exploité cette faiblesse-là, il va essayer de faire en sorte de pouvoir la réutiliser quand il veut. Là, il lui a un coup de chance, il aimerait pouvoir le faire quand il le souhaite. Et pour ça, par exemple, il va faire un double des clés, où il va un petit peu trafiquer la serrure pour qu'elle ferme systématiquement pas très très bien et pouvoir rentrer. Donc, dans les systèmes informatiques, ça veut dire casser un mot de passe. Comme ça, on va pouvoir utiliser le mot de passe qu'on a cassé. Ou créer un nouvel utilisateur, fantôme, qu'on utilisera. Désactiver un service ou activer un service. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, c'est très difficile de le voir. L'attaquant, aujourd'hui, cherche, parce que c'est des entreprises qu'il y a derrière, on parle d'entreprises cybercriminelles, cherche une capacité durable d'exploiter les systèmes. Et pas simplement, juste, je viens, je prends et je pars. Donc, pour se protéger, ça commence déjà par la sensibilisation à l'empreinte numérique qu'on laisse, les informations qu'on donne. L'attaquant va faire feu de tout bois. Si on met sur nos réseaux sociaux « Ah, je suis content, je vais partir une semaine en vacances », ben, on sait que vous n'êtes plus chez vous. C'est intéressant, comme pour le cambrioleur, etc. Donc, tout un tas d'événements comme ça. Donc, déjà, des choses toutes simples, hein, ne pas dire ce qu'on va faire, uniquement se limiter à dire ce qu'on a fait. Vous êtes allé en vacances, vous revenez, ah, j'ai passé des super vacances, je publie mes photos. Tout le monde est content. Mais ne le dites pas avant d'y aller. Donc, c'est des choses comme ça simples. C'est aussi maintenir son système à jour, c'est avoir ce que l'ANSSI appelle l'hygiène numérique. Donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques. Faire ses sauvegardes aussi, et ne pas laisser son disque de sauvegarde dans sa sacoche quand on part en déplacement, ni le laisser brancher à l'ordinateur, parce que si on a un rançon logiciel, comme on en parlait, ben, il va chiffrer tout ce qu'il va trouver à sa portée, y compris le disque de sauvegarde, s'il y en a un qui est branché. Voilà. Donc, il y a énormément de choses simples comme ça. Heureusement, on a tout un tas d'acteurs qui, notamment la Gendarmerie nationale, hein, qui contribuent à émettre les bons messages pour que tout à chacun puisse l'approprier. Et ce qui est très intéressant dans ces pratiques, c'est qu'elles sont à double usage, autant dans le monde professionnel que dans le monde personnel. C'est-à-dire que ça sert aussi à protéger ses enfants, à protéger tout un tas de choses autour de soi. Oui, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une culture de numérique qu'il nous faut acquérir tous à titre individuel. Merci, M. Valiant. Monsieur Chabrol, vous nous avez dit tout à l'heure que les entreprises avaient recours au télétravail en cette période de crise sanitaire, mais que cela ne se faisait pas sans mal. Et là, je m'adresse au directeur des études de l'École européenne d'intelligence économique, dont le groupe, tiens, pour la petite histoire, vient d'ouvrir une petite sœur, une école européenne de cybersécurité. Cybersécurité, exactement. Enfin, qu'on en parle, M. Valien, d'ailleurs. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, hein, les salariés, les collaborateurs, les chefs d'entreprise qui sont confrontés au télétravail? Alors, comme le disait M. Valente tout à l'heure, enfin, il y a un instant, pour moi, il y a deux types de sécurisation. Il y a le volet matériel et logiciel d'un côté, et il y a le volet humain, les process et l'environnement de travail dans lequel vous êtes en télétravail, donc chez vous. Et c'est deux choses qu'il faut bien mettre à part et sécuriser. En gros, l'objectif, et M. Valente le disait très bien tout à l'heure, c'est qu'il s'agit en fait de décourager le hacker, le pousser à attaquer des cibles moins protégées et plus faciles. C'est exactement, je trouvais la métaphore là de M. Valente très bonne sur le hacker qui passe à toutes les portes et qui regarde si le loquet est fermé ou pas. C'est exactement ça. C'est fermer un maximum sa porte et avoir le maximum de verrous pour éviter ou décourager finalement le hacker à entrer. Pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà sécurisé. Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques. On va essayer de les rappeler et d'être assez simple, mais j'essaie d'être assez concis aussi. La première, ce serait sécuriser son réseau Wi-Fi domestique. Okay, donc, en modifiant le nom d'utilisateur et le mot de passe. En gros, ça, c'est ce que vous avez derrière votre box. Hein. Quand vous tournez votre box, vous avez votre numéro SSID. Ben, ça, il faut le changer. Le plus simple, pour faire ça, vous allez sur un moteur de recherche, type Google, vous tapez le nom de votre opérateur Internet et ou le nom de votre box Internet. Et vous tapez « changer SSID », mot de passe, et là, on vous indiquera, il y a tout un protocole à mettre en place, et on vous indiquera comment le faire. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, il faudrait que je vous montre des slides, mais c'est assez simple à mettre en place. Ça, c'est la première chose à faire, à mon sens. Le moyen le plus efficace aussi pour se protéger, c'est des tentatives d'intrusion, c'est d'utiliser le câble Ethernet, okay, et non Wi-Fi. Ça peut aussi décourager l'hacker. D'autre chose, ce que disait tout à l'heure aussi M. Valiente, sur son ordinateur, c'est créer un compte utilisateur dédié à ses activités professionnelles.
Le hacker n'aura pas accès aux autorisations administrateurs et donc l'appareil sera limité à des actions de malveillance et donc de la part de l'utilisateur. Ça permet aussi de séparer les loisirs du travail, les comptes des membres de la famille ou autre chose. Autre pratique, tout à l'heure, Monsieur Vanetta en parlait aussi, c'est les mots de passe complexes, utiliser des mots de passe complexes en hiérarchisant ces données stratégiques. Voilà, impossible de tout protéger avec un niveau élevé, mais on peut tout de même essayer de protéger les infos les plus sensibles du moins. Ne pas utiliser le même mot de passe pour tous ses comptes, ça c'est important également. Essayer de faire 14 caractères minimum, c'est ce que l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, recommande. Alors vous avez plusieurs méthodes hein, de mots de passe forts et des moyens mnémotechniques pour s'en souvenir. Il y a la méthode phonétique. Alors je vous donne un exemple assez rapide, hein, mais c'est ce que donne l'ANSSI en fait comme méthode. Typiquement la citation « J'ai acheté 8 CD pour 100 euros cet après-midi bah, », deviendra la lettre G, la petite lettre H, la petite lettre T, 8, le chiffre 8, CD en grand, en majuscule, pourcent, grand E, 7 en chiffre, et AM pour dire après-midi. Ça, c'est des moyens mnémotechniques de mettre en place des mots de passe qui sont plutôt invulnérables. Alors, invulnérables dans la limite du hacker en face de vous. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Qui sont faciles à mettre en place et sont des moyens mnémotechniques, ça il faut le faire. Utiliser un cloud aussi pour sécuriser ces datas. Alors privilégier un cloud français, ça peut aussi être intéressant pour protéger sa data. Donc ça c'est sur la partie logicielle, enfin matérielle, et sur la partie j'allais dire dédiée plus humaine. Là c'est dans la mesure du possible essayer de concevoir un lieu de travail en mélangeant le moins possible son espace de vie, j'allais dire, personnel, et son espace de vie professionnel. C'est hyper important que votre session, elle soit pas allumée quand vous recevez des amis ou quand vos enfants passent et vont triturer sur l'écran n'importe quoi. Ça, c'est important pour justement garder une hygiène informatique et surtout une hygiène de vie perso et pro bien distincte. Donc c'est des choses toutes belles comme ça. Après vous pouvez aussi sur les fichiers type Excel, PowerPoint, il y a des moyens ou Word, il y a des moyens de chiffrer en open source vos fichiers. C'est très simple. Hein. Vous allez dans les informations, vous tapez informations sur vos fichiers, vous sélectionnez protéger par exemple sur Excel protéger classeur et là chiffrer avec votre mot de passe et là vous pouvez chiffrer vos fichiers que vous utilisez tous les jours. Donc c'est des choses toutes simples. Qu'il faut mettre en place et qui sont faciles à mettre en place. Et puis peut-être une dernière chose, c'est communiquer en amont du télétravail. C'est communiquer en gros sur les éléments de contact nécessaires auprès de l'entreprise en termes de cybersécurité et de responsable hiérarchique. C'est-à-dire demander et son mail et son numéro de téléphone et bien demander les deux. Parce que si vous demandez que le mail et que vous êtes fait hacker et que vous ne pouvez pas envoyer le mail, bah vous êtes un peu perdu. Donc, c'est avoir et le téléphone de la personne qui peut vous aider en cas de hacking et son mail pour pouvoir interagir avec lui. Donc, voilà en gros les petites bonnes pratiques à mettre en place qui sont pas du tout difficiles à mettre en place et que tout le monde peut faire sans problème. Oui, ce que vous nous dites, M. Chabot, et ce que j'ai retenu sur les deux dernières recommandations que vous faites, c'est que d'une part, il faut cloisonner, bien séparer ses activités, et ça va un peu rejoindre ce que propose d'ailleurs notre grand témoin à la fin, hein, quand il nous parlera de RINA, hein, c'est pas un changement de protocole, c'est plutôt un changement d'architecture et de conception, donc on est plutôt dans le cloisonnement, et en cloisonnant, on évite la porosité entre les domaines. Et la deuxième, c'est que vous le disiez pour Excel, pour Word, pour tous les... En fin de compte, les outils sont à notre disposition, on les a déjà, il suffit, je dirais, de s'en imprégner, d'être aiguillé, d'être un peu aidé, et de fait, après, on est capable de le faire tout seul. Et c'est ça qui est important. J'aurais une dernière question, Monsieur Valiant. Si malgré toutes ces précautions, la cyberattaque réussit, comment s'y prend-on? Que conseillez-vous à nos auditeurs? Alors, c'est,
c'est quelque chose qui s'anticipe. C'est pas si ça arrive, c'est quand ça arrivera. De toute façon, il y a des fortes probabilités pour que chacun y passe. Donc, il faut se mettre dans cette situation-là avant. Nous, par exemple, on fait très régulièrement avec nos clients des entraînements, des exercices de simulation. On dit voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous faites? Qui fait quoi? On va accéder à notre système. Voilà. Donc, comment vous y connectez? Ben, avec un mot de passe. Mais il est où le mot de passe? Ben, il est justement dans le système qui s'est fait avoir. Bon, ça, c'est des choses classiques, mais vraiment tellement classiques. Donc, on se met en situation. Voilà, si un bon matin, mon ordinateur, j'appuie sur le bouton et puis il ne s'allume pas, qu'est-ce que je fais? Ah ben voilà, ben, j'ai mes sauvegardes. Ah, donc il faut que je fasse mes sauvegardes. C'est important que j'en fasse. Je vais utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Je lui ai déjà posé la question en amont. Donc, on se met en situation. Après, on a des situations dans lesquelles c'est malheureusement il faut aussi s'entourer de personnes qui sont compétentes et qui ont la capacité de pouvoir venir nous soutenir. Alors heureusement on a des assurances qui de plus en plus commencent à proposer aussi un soutien financé par eux. C'est l'équivalent de la dépanneuse quand on tombe en panne, hein, quelqu'un qui va venir nous aider, qui est pris en charge par l'assurance avec des spécialités qui vont bien. On a aussi au niveau étatique cybermalveillance qui est une plateforme sur lesquelles on peut se signaler en disant ben, j'ai été victime d'un rançon logiciel, d'une atteinte à l'image, d'un déni de service, de sabotage, etc. Et là, vous allez être mis en relation avec des personnes qui ont été qualifiées en amont pour pouvoir faire aider, et notamment des particuliers et des PME qui sont malheureusement sur notre territoire un point fort et une point faible aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune grande entreprise du CAC 40 qui ne peut se passer de tous ses sous-traitants. Pourtant, ces sous-traitants sont très nombreux, ils sont de petite taille et ils ont des difficultés, ils ont du mal à pouvoir s'entourer des personnes à même de les accompagner dans des bonnes dispositions aussi. Donc ça s'anticipe. Et aussi, l'entourage qui pourrait venir nous aider s'anticipe aussi. D'accord. Bon. Mais, comme vous le dites, on a moyen d'avoir des médecins à notre chevet en cas d'attaque informatique. Et le but, comme vous le disiez, ça s'anticipe. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir au moins son nom, son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter. Toujours. Tous les deux, Messieurs Valiant et Chabrol, pour votre participation à cette première partie de table ronde. Restez avec nous car nous allons changer d'échelle, changer de perspective pour appréhender la cybersécurité sous un autre angle avant de revenir à la thématique de cette première table ronde avec deux autres de nos invités. Mais en attendant, notre seconde table ronde s'intitulera « Face à la menace cyber, des défis protéiformes ». Et pour ce faire, j'invite Monsieur Alexandre Gazola à me rejoindre sur le plateau, Monsieur Éric Fraissinet, le colonel Fraissinet de la Gendarmerie nationale, chef du pôle national de la lutte contre les cybermenaces au sein de la Gendarmerie nationale, Monsieur Moïse Moyal, qui est délégué régional de l'Agence nationale des systèmes d'information pour l'ANSSI, et Monsieur Jacques Martinon, qui est en train de se connecter et qui va nous rejoindre dès qu'il sera avec nous, qui est magistrat, chef de la mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité de la Direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Petite précision, Monsieur Alexandre Gazola est consultant cybersécurité et directeur du développement chez Orange Cyberdéfense Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous tous d'être avec nous sur cette table ronde. Je vais donc donner la parole à vous, mon colonel, Monsieur Fraissinet. Pouvez-vous nous faire part de ce que vous constatez dans vos fonctions, ô combien importantes, de chef du pôle national de lutte contre les cybermenaces pour la gendarmerie? Merci. On constate deux phénomènes au cours des années récentes. Le premier, c'est une augmentation très importante de la volumétrie des attaques informatiques, c'est-à-dire en particulier des rançongiciels, hein, pour les années récentes, mais d'autres typologies d'attaques.
et par conséquent, la nature des personnes concernées sont de plus en plus nombreuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque année, chaque mois, des dizaines d'entreprises, de collectivités locales, de particuliers sont concernés par ce type de menace. Quand on revient à une, ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière, on avait quelques cas par an dans chaque catégorie de cybercriminalité. Sur l'année 2020, on a constaté une augmentation de plus de 20% des faits d'atteinte au système d'information et sur les rançons logicielles de plus de 120% d'augmentation d'une année sur l'autre, sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre, et la synthèse du troisième trimestre commence à nous confirmer cette tendance. Le corollaire, c'est la professionnalisation des attaquants de plus en plus, et le modèle qu'on voit apparaître depuis le début des années 2010 de cette délinquance en réseau, hein, d'un écosystème cybercriminel, plus que de véritables groupes criminels très très structurés, c'est-à-dire que les partenaires cybercriminels changent de contact, d'amis, de personnes avec lesquelles ils travaillent d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, et donc par exemple vont changer de partenaire pour réaliser leur campagne de spam, pour leur fournir leur logiciel malveillant, etc. Et donc ça rend d'autant plus compliqué les investigations, puisque si on n'arrive pas dans les heures qui suivent les faits, la situation aura complètement changé. Donc on a une obligation de dynamisme dans la réponse, et donc une obligation de dynamisme des relations avec les victimes. Donc il y a un vrai enjeu pour les services d'enquête. Voilà, donc pour ce premier point, je pense que ça synthétise assez bien les choses. Merci, mon colonel. Ça laisse quand même notre public, on peut dire, interrogatif et inquiet quant à la montée en puissance de cette menace. Mais comme vous l'avez dit, votre action et vos interactions sont tout à la fois transverses, hein. La cybercriminalité n'a pas de frontières. Si l'État est impliqué, il peut de toute façon compter aussi sur l'appui et l'aide mutualisée d'une part entre les autres services de l'État et bien sûr avec des grands opérateurs privés, et notamment l'opérateur historique, hein, qui est héritier de France Télécom. Et là, je m'adresse à Monsieur Gazola, Alexandre, au cyberdéfense, à vocation donc à protéger à la fois l'entreprise elle-même, Orange, mais aussi tous vos clients. D'une manière générale, que constatez-vous, vous, pour Orange Cyberdéfense, en matière de cybercriminalité, en tant qu'opérateur? Bien, bonjour à tous. Merci à ces ateliers. Alors, si je fais côté des deux constats sur nos pour être assez direct et confirmer les propos de général Finet, 2020 est effectivement une année atypique en sécurité sur la région. Donc le nombre d'incidents majeurs a été constaté par nos équipes. Plus de crises cyber ont été engagées. Tout type d'organisation, on confirme, hein, donc du coup des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des organisations publiques, privées, et bien sûr des grandes entreprises dont les incidents ont fait un peu plus parler la presse. Orange Cyberdéfense dans la région a compté plusieurs de ces entreprises cette année, globalement sur deux pans. Un premier qui est le déclenchement de l'incident et de la crise, donc plutôt des activités de gestion d'urgence, de gestes d'urgence, de création, d'animation de la cellule de crise, des activités humaines et même de nettoyage du parc informatique avant un redémarrage. Là, on parle plutôt d'activités de 1 à 2 semaines après de l'attaque. Et on a accompagné ces entreprises aussi sur une phase de reconstruction sécurisée de leur système d'information, en partant quasiment de zéro. Là, on est sur une période un petit peu plus longue qui se déroule en général sur plusieurs mois.
la conséquence de cette situation chez Orange Cyberdéfense cette année et du coup dans les équipes sur la région PACA, ça a été vraiment la nécessité de prendre une qualité à intervenir sur cet incident. On a choisi du coup de favoriser encore des interventions de proximité. Avec notre équipe d'experts en gestion de crise sur Marseille. Et puis, ce qui est important et qui va de pair, c'était de faire en sorte que cet accompagnement soit vraiment adapté à notre territoire, adapté aux entreprises de notre territoire, qui souvent disposent de moyens humains, financiers, plus limités, en tout cas plus limités que la majeure partie de nos grands clients parisiens ou internationaux. Et le deuxième constat que je peux faire dans la région, mais plus généralement, encore trop d'entreprises n'ont pas conscience de l'importance de la technique. Ces entreprises-là ne s'assurent pas que les équipements qui composent leur système d'information génèrent des traces. Ces entreprises-là ne s'assurent pas de la protection de ces traces et n'ont pas conscience que ces traces-là doivent être disponibles immédiatement le plus tôt possible en cas d'incident de cybersécurité. Or, on sait que dans un scénario de type ransomware, qui ne sont pas les seuls scénarios d'attaque constatés cette année, mais quand même une grande partie, l'attaquant fait évidemment des traces de son passage pour plusieurs raisons. Déjà pour éviter qu'il soit identifié, et par la suite pour limiter les poursuites judiciaires. Et aussi, l'absence de ces traces assure un maximum de succès à l'opération. Moins il y a de traces, moins on a de chances de détecter l'attaque avant qu'elle ne se déclenche. Moins il y a de traces, moins on peut freiner l'attaque une fois qu'elle a été déclenchée. Moins il y a de traces, plus également l'entreprise a de pression pour payer la rançon. L'entreprise se retrouve munie, ne sait pas comment est entré l'attaquant, est-ce qu'il a vraiment réalisé, s'il est encore présent sur le système d'information, et peut être poussé à tort à payer la rançon. Voilà, donc, pour des preuves, encore chez nos clients cette année, des preuves en quantité et en qualité, on réalise des investigations techniques parfois pauvres, parfois trop laborieuses, et donc par la suite, on a des investigations judiciaires qui sont d'autant plus difficiles. Merci Alexandre pour ce petit point. Ce que vous avez dit en substance, et c'était le plus important, reprenez-moi si je dis une bêtise, c'est que les appareils numériques ne sont pas forcément bien configurés et que cela étant, ça ne permet pas de capturer tout ce qui est fait par les cybercriminels et ne permet pas d'apporter la preuve numérique pour pouvoir les poursuivre. C'est bien ça, hein, Alexandre? Bien. Je vois que Monsieur Martinon est arrivé avec nous. Monsieur Martinon, vous pouvez, si vous avez la possibilité, cliquer sur la caméra et le micro. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah. Voilà. Merci, Monsieur Martinon. Donc, je rappelle. Monsieur Martinon est magistrat et chef de la mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au ministère de la Justice. Avec votre regard de magistrat, Monsieur Martinon, quel constat vous faites-vous, vous, à la justice, de la menace cyber? Alors, le constat de la menace cyber, il est multiple. Un premier point que je pourrais aborder, c'est finalement la porosité entre la cybercriminalité au sens classique, et puis des problématiques de cyberdéfense. Ça paraît un peu, je dirais, théorique, doctrinal, mais en réalité, ça a des implications profondes bien plus importantes. Le constat, il a été posé par un document officiel, par la revue stratégique de cyberdéfense, qui a été élaborée en 2018, et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être contributeur pour le ministère de la Justice, et qui a donc constaté qu'effectivement, il y avait cette porosité, à la fois dans les moyens et puis dans les motivations, entre des acteurs traditionnels de la cyberdéfense, donc des puissances étrangères, hein, pour être clair,
qui pouvaient utiliser le vecteur cyber de différentes manières. On en avait évidemment à l'esprit de la cyberdéstabilisation ou du cyberespionnage, voire même du cybersabotage. Et puis les motivations plus classiques de cybercriminalité, où concrètement, c'est l'appât du gain, évidemment, qui va motiver les choses. Je pourrais citer un point qui a été relevé par des experts à l'ONU, avec notamment un pays comme la Corée du Nord, qui, vous le savez, est victime de sanctions commerciales internationales et qui, du coup, de fait, a besoin de ressources financières. Et il est de notoriété publique que, eh bien, visiblement, un certain nombre d'attaques, de cyberattaques, en fait, sont plus ou moins liées, potentiellement par des proxys d'ailleurs, à ce genre d'État qui y voit une source de financement importante. Et d'ailleurs, le rapport de l'ONU faisait un lien entre le financement d'un programme nucléaire, vous voyez que c'est quand même assez sérieux, et puis des ressources de financement de cybercriminalité. Donc ça va expliquer aussi des positions, peut-être, j'y reviendrai plus tard, des États-Unis sur ce point-là. Un deuxième point qu'on peut relever, c'est, ça ne fera pas une surprise, la grande inventivité des cyberdélinquants, qui, à la fois sur des cybercriminels qui ont commencé, je dirais, vraiment dans la cyber et qui profitent de nouvelles failles et puis des nouveaux écosystèmes, par exemple comme les crypto-monnaies, pour faire un effet de levier, pour continuer évidemment leurs méfaits. Mais on assiste aussi à ce que j'appelle une cybérisation de la criminalité organisée, donc là, des criminels plus traditionnels, mais qui vont se mettre un petit peu à la page des outils, avec, là encore, effectivement, l'usage, par exemple, des réseaux comme le Darknet, la fameuse monnaie d'échange des crypto-actifs, le plus célèbre étant le Bitcoin, pour faciliter, évidemment, des problématiques d'obfuscation, de manque de traçabilité, et puis de perspectives de blanchiment. Mais également, dans les aspects logistiques, des affaires qui ont pu défrayer la chronique, avec non seulement donc le protocole Tor, les Darknet, mais des communications sécurisées, puisqu'il y a l'affaire EncroChat, d'ailleurs, où les gendarmes ont beaucoup travaillé, qui a été médiatisé il n'y a pas très longtemps, mais on trouve toujours cette question de logistique en fait cyber plus discrète pour la criminalité organisée. Et puis un point aussi important qu'on trouve, mais les deux sont liés, c'est finalement le côté très lucratif et l'excellent retour sur investissement de la cybercriminalité qui explique pourquoi en fait c'est un champ de la criminalité qui est très attractif. Tout simplement parce que, je veux dire, le ticket d'entrée à la fois technique, c'est-à-dire concrètement les connaissances informatiques finalement diminuent, ainsi que le coût d'entrée, je dirais, à l'achat de ces différentes techniques, puisque vous avez finalement tout cet écosystème qui s'est quand même bien construit et que vous pouvez à la tâche acheter différentes briques technologiques qui vous serviront après dans vos attaques. Vous allez pouvoir louer telle ou telle infrastructure, tel ou tel maliciel. Vous allez même pouvoir racheter des accès compromis des entreprises. Donc finalement, en cumulant toutes les briques avec un petit peu d'argent et des connaissances informatiques, somme toute assez minimales, vous allez pouvoir faire très mal. Et c'est la combinaison en fait de tous ces acteurs. Vous savez, c'est un peu comme la rue vers l'or. Bien, vous avez des vendeurs de pioches, etc., qui font aussi fortune. Et un axe intelligent de lutte contre la cybercriminalité, c'est de ne pas non plus oublier ceux qui fournissent les éléments, ceux qui font partie de toute cette infrastructure sur l'écosystème de cybercriminalité. Voilà les premiers points que je voulais juste souligner dans cette première intervention. Merci monsieur Martignon. Ça nous permet de faire un petit panel de tous les univers concernés par la cybercriminalité, ce regard que vous venez de porter là, sur cette thématique. Mais qu'en est-il du volume et des chiffres? Et là, je me retourne vers Moïse Moyal. Moïse, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Super. Moïse, on vous entend et on vous voit. Je vois qu'Alexandre aussi est revenu avec nous. Monsieur Moyal, lors des premiers échanges que nous avons eus, il a été évoqué donc, le soutien de l'ANSSI dans beaucoup de secteurs. Et quelles autres synergies vous développez? Et deuxième question, parce que je vous gâte un peu, je vous en mets deux dans une. Dans votre rôle de vigie au niveau national, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réalité de la menace cyber, statistiquement parlant? Alors, tout d'abord, donc l'ANSSI prend en compte, bien sûr, l'ensemble des menaces d'origine cyber, hein, dans leur globalité. Donc, vous avez l'espionnage, vous avez le sabotage, l'activisme, et bien sûr, la cybercriminalité. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce sujet de cybercriminalité en particulier, qui préoccupe particulièrement l'ANSSI. Donc, cette cybercriminalité aujourd'hui, elle a bien compris l'intérêt de l'outil cyber
pour rançonner ses victimes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on constate. Et donc déjà, je voudrais vous donner un élément d'actualité, c'est justement avec le ministère de la Justice, avec la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, on a lancé un guide en septembre qui s'appelle « Attaque par rançongiciel, tous concernés ». Donc voilà, on est en plein dans le sujet et je vous invite à télécharger ce guide qui est particulièrement bien clair sur le sujet. Alors ensuite, en termes de chiffres à périmètre équivalent, je vais vous donner des chiffres qui concernent des signalements portés à l'ANSSI pour des attaques d'importance, on va dire, qui peuvent impacter la sécurité du pays. On a eu 54 attaques en 2019 et au 30 septembre 2020, donc je dirais au bout de trois trimestres, on était à 128 attaques. Donc, ce qui signifie qu'en l'espace d'un an, on peut considérer qu'on a eu ces attaques importantes par rançongiciel qui ont été multipliées par 3. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne reflète pas l'ensemble de la cybercriminalité, mais ça donne une tendance qui est assez préoccupante. Donc, juste pour illustrer parmi toutes ces attaques, celle qui a le plus qui a été le plus médiatisée, qui a beaucoup mobilisé l'ANSSI, ça a été l'attaque sur le CHU de Rouen, qui s'est déroulée en novembre 2019 et qui a complètement paralysé donc cet hôpital, où non seulement les services administratifs, les services donc de secrétariat, les services de prise de rendez-vous, mais surtout les services biomédicaux ont été complètement hors service jusqu'à la remédiation progressive. Et donc, on a les médecins, les infirmières ont travaillé pendant plusieurs jours avec le crayon et le papier. On est revenu donc à l'âge du crayon et papier avec la bonne volonté de ces services qui ont quand même continué à fonctionner. Voilà en ce qui concerne les chiffres. Ce que je voudrais également rajouter, c'est que malgré la crise sanitaire, quoi qu'on en dise, quoi qu'on peut entendre par-ci, par-là, il n'y a pas eu de crise cyber. Vous avez eu des cybercriminels qui ont profité du contexte actuel pour contextualiser leur type d'attaque, pour les adapter donc aux arnaques du moment, je dirais, pour des fausses commandes liées à des médicaments, à des masques, dans la précipitation, enfin bon, on a plein d'exemples, mais on n'a pas été dans une crise cyber durant cette année. Et pour l'anecdote, vous avez même eu des groupes de hackers qui se sont engagés à ne pas attaquer les hôpitaux pendant cette crise sanitaire, et ils ont tenu parole. Voilà, donc ça c'est l'anecdote. Et enfin, dernier point que je voulais dire, c'est que effectivement, il n'y a pas eu de crise cyber. Par contre, une autre préoccupation, c'est que l'usage du télétravail, qui s'est largement développé durant cette période, va accumuler des brèches au sein des ordinateurs nomades donc, qui ont été déployés au sein donc, des domiciles et qui, lorsqu'ils reviennent dans l'entreprise, vont ramener forcément des attaques et des vulnérabilités. Et donc, on encourage fortement les responsables des systèmes d'information, les DSI, à vraiment bien faire attention lorsqu'il y a le retour des entreprises de ces ordinateurs. Voilà en ce qui me concerne par rapport à votre question. J'espère que j'y ai répondu. Merci Moïse, mais ce que je retiendrai vraiment de votre perception en tant que représentant de l'ANSSI, c'est que vous faites bien la distinction entre ce que vous appelez une attaque cyber proprement dite, c'est-à-dire une attaque sur les systèmes directement, et ce qu'on appelle le fait de l'opportunité des criminels qui utilisent l'outil numérique, le système numérique, pour prolonger les escroqueries. Et là, ça me permet donc de revenir vers Jacques Martinon. Tout à l'heure, Alexandre Gazzola nous disait que la configuration de nos appareils numériques, justement, la configuration technique, permettait d'apporter, je dirais, la preuve numérique, la preuve judiciaire. Pour autant, est-ce que tous les magistrats, aujourd'hui, sont rompus à traiter cette nouvelle forme de criminalité, Monsieur Martinon ? Alors, j'aimerais bien, mais on n'en y est pas encore.
plus sérieusement, on a pris évidemment le phénomène en souhaitant centraliser les compétences. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez des ressources limitées, vous allez vous voir évidemment concentrer le tir là où vous avez une chance de faire du bon travail. Donc, pour retracer un petit peu l'historique, les grandes étapes, en 2014, vous avez la création d'une section spécialisée dite cybercriminalité au parquet de Paris, c'était un point important. À l'époque, elle s'appelait F1, elle a changé de nom maintenant. En 2015, donc la mission au sein de la DSCG dont je fais partie, donc la mission de lutte contre la cybercriminalité, qui, elle, ne traite pas directement des affaires judiciaires, mais travaille plutôt en termes d'analyse et de politique pénale, j'y reviendrai. Et puis en 2016, au niveau de la procédure, pour le coup, une compétence concurrente nationale concernant les attaques informatiques. Alors, si on veut vraiment faire le fin juriste, c'est plutôt les atteintes dites au STAD, au système de traitement automatisé de données, mais enfin, disons, pour reprendre votre expression tout à l'heure, effectivement, ce sont les infractions qui vont viser les systèmes informatiques eux-mêmes, et pas simplement des vecteurs de dissémination de cyber-escroquerie. Donc, avec cette section spécialisée au parquet de Paris, qui maintenant s'appelle J3, puisqu'elle a intégré une juridiction nationale de criminalité organisée, pardon, qui s'appelle Junalco. Une compétence nationale qui permet de regrouper des contentieux et du coup une structure adaptée en centrale qui va faire différentes dépêches de centralisation des contentieux, on va créer du coup voilà, un noyau dur au niveau judiciaire pour traiter cela. Donc quelques exemples, les rançongiciels, qui on en a parlé tout à l'heure, qui effectivement sans doute le phénomène le plus préoccupant actuellement et qui est en train d'exploser, le traitement des rançongiciels est centralisé par le parquet de Paris depuis 2017 maintenant. Alors on va faire quelques petits ajustements de doctrine, mais enfin le principe est posé depuis 2017. D'autres exemples aussi, les campagnes de fraude aux réparations informatiques qui ont touché beaucoup la France en 2018 sont également centralisées, ou encore d'autres types particuliers d'escroquerie, mais encore une fois avec des vecteurs cyber. Donc, on a effectivement cette campagne de politique pénale axée sur l'excellence et la spécialisation du parquet de Paris, où nous avons du coup bientôt 3 magistrats spécialisés avec un assistant spécialisé, donc vous avez quand même une équipe solide qui travaille avec les services d'enquête spécialisés, que ce soit le C3N de gendarmerie, que ce soit l'OCLCTIC, donc au niveau de la police, ou encore même de la DGSI dans certains types d'affaires, puisque vous avez parfois des affaires cyber qui sont très proches des intérêts fondamentaux de la nation, et donc c'est plutôt évidemment la DGSI qui a vocation à s'en occuper. Nous avons également créé un réseau des magistrats cyber-référents, donc ça c'est intéressant, c'est pour mailler un peu le territoire. Dans chaque parquet de France, il y a maintenant un magistrat cyber-référent qui a vocation du coup à être acculturé un petit peu aux problématiques cyber et à pouvoir accompagner les collègues sur place et les cyber-référents bénéficient d'actions de formation. Notamment, j'ai organisé des séminaires sur les crypto-actifs et sur les darknet et on va faire un autre événement, même si malheureusement la crise sanitaire a un petit peu décalé le projet. Donc voilà, d'essayer de créer un vivier de magistrats sensibilisés à la politique cyber, et évidemment ça prendra des années pour qu'on ait de plus en plus je dirais, de gens qui soient affûtés à ces questions-là. Et on oublie trop souvent d'ailleurs aussi le siège, puisque le parquet, c'est une chose, mais le siège, les juges d'instruction qui mènent les enquêtes les plus complexes et les juges du siège qui, in fine, vont condamner ou pas les personnes mises en examen, c'est important également. Sinon, vous avez un grand décalage, avec notamment des cybercriminels parfois qui sont des jeunes hommes, primo-délinquants, et on a parfois des surprises, je dirais, sur les peines prononcées, surtout si on compare aux peines prononcées aux États-Unis qui sont, elles, très lourdes. Merci, Monsieur Martinon. Et là, ce que vous venez de dire est important et nous amène à poser la question, vous l'avez tous à peu près évoqué jusqu'à présent, c'est la mise en commun des capacités des uns et des autres. Monsieur Moyal, pourriez-vous nous décrire l'action de l'ANSSI sur un cas concret récent, sans trahir de secret d'État, et nous dire donc si cette intervention est conçue selon le principe du précaré ou de la chasse gardée. Je connais déjà la réponse. Alors, je vais vous répondre globalement en fait par rapport aux missions de l'ANSSI, en commençant effectivement par une de nos missions au niveau national, c'est de faire de la défense, donc suite à des attaques. Et effectivement, on est souvent appelé le cyberpompier de l'État. Et on est intervenu en tant que cyberpompier dans la région. Alors devinez quand, c'était au mois de mars, la veille des élections, le 13 mars, des élections municipales, suite à une attaque qui a touché la ville de Marseille, l'agglomération ex-Marseille-Provence, et dans une moindre mesure la ville de Martigues.
Donc c'est arrivé donc à une période, voilà, une période qui était assez sensible. Et du jour au lendemain, bon voilà, il y a eu une attaque assez violente qui a paralysé des applications qui peuvent paraître. On parle beaucoup de services essentiels, des services essentiels pour les citoyens. Vous avez, par exemple, des informations de transport public qui ont été bloquées, la billetterie dans les piscines, ça peut paraître anodin, mais c'est important pour les citoyens, les installations collectives qui ont été impactées, et aussi les remontées d'informations sur le Covid durant cette période. Donc voilà, donc vous avez eu beaucoup d'impact. Et dans ce cadre-là, l'ANSSI qui souhaite de plus en plus apporter son assistance vers les grandes collectivités à réaliser une opération de cyberdéfense pour aider ces agglomérations. Donc ça, c'est pour la partie défensive, mais on a également des actions de type plus prévention, bien sûr. Et dans les territoires, c'est extrêmement important pour prévenir ce type d'attaque. Et en termes de prévention, notre activité essentielle, une des activités essentielles, consiste à faire la promotion de guides de sensibilisation, de guides qui aident à la prévention, qui sont, on en a énormément, dont j'ai parlé du guide sur les rançongiciels. On a énormément de guides et je voulais vous faire part aujourd'hui donc d'un guide qui va sortir, qui va être lancé demain par l'AMF, donc l'Association des mairies de France, sur la cybercriminalité, en partenariat donc avec l'ANSSI. Et donc voilà, vous avez la primeur de cette information, puisque ce guide va être lancé demain par l'AMF et en partenariat avec l'ANSSI. Voilà, donc donc il y a cette notion de prévention qui est extrêmement importante, et toujours dans la prévention vis-à-vis des collectivités territoriales, puisque c'est un sujet sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, on apporte aussi une assistance de type audit de vulnérabilité de serveurs. Donc ce sont des outils qui sont développé par l'ANSSI, et également des outils d'audit d'annuaire, ce qu'on appelle un outil qui s'appelle Active Directory Security, qu'on propose exclusivement à des grandes collectivités territoriales. Et également, lorsque vous avez des attaques, vous avez ce qu'on appelle des indices de compromission qui sont remontés donc par des attaques, donc où il y a des informations sur des adresses qui peuvent être dangereuses, et on s'efforce de plus en plus à diffuser au sein de la région de nos réseaux ces indices de compromission pour qu'ils puissent prévenir une attaque. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet de prévention sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Merci Moïse, ça a au moins le mérite d'être pragmatique, concret, clair. Vous mettez directement au service des collectivités territoriales, et leurs représentants qui nous écoutent aujourd'hui ont, je pense, bien noté tout cela. Mais vous avez aussi évoqué donc une synergie qui est intrinsèquement liée à l'ADN de tous les services qui s'occupent de cybersécurité. Merci pour toutes ces précisions. Je serais tenté de poser la même question au représentant de la gendarmerie, mon colonel, Monsieur Fraissinet. Pouvez-vous nous faire part d'un cas concret, vous aussi, là encore, sans trahir de secret d'État ou porter atteinte au secret des affaires, et nous donner votre sentiment sur la synergie inter-service et ou la synergie public-privé? Oui, merci. Donc, ce qui est important à retenir, donc effectivement, il y a un travail commun avec les différents services, notamment les services d'enquête interviennent régulièrement aux côtés de l'ANSSI lors de ces interventions pour engager dès que possible les investigations judiciaires, hein, collecter les preuves et mener les premières investigations. Dans tous les cas cités, c'est le cas, soit avec la police, soit avec la gendarmerie, en fonction des situations, soit même avec la DGSI, hein, comme vous le citiez tout à l'heure, pour certaines entreprises sensibles, par exemple. Et donc il y a des cas dans toutes les régions. On citait Rouen, hein, assez récemment, il y a eu un cas en région PACA. Je citerai pas l'entreprise. Mais sont intervenus des gendarmes de la section de recherche de Marseille,
de la gendarmerie maritime aux côtés des autres services et des prestataires privés. Hein, l'interaction avec les prestataires privés aussi est importante pour permettre de préserver les preuves en particulier, de discuter avec les victimes, voire d'intervenir dans le processus de négociation avec les rançonneurs. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner les victimes autant que possible. Et l'intervention dans ces processus de négociation, c'est pour aider la victime à récupérer rapidement ses données en freinant l'action des délinquants et peut-être nous permettre d'identifier ces suspects. Je ne rentrerai pas dans le détail des méthodes qui sont utilisées, mais c'est important de comprendre qu'on peut aussi intervenir à ce moment-là. Et donc, on est en proximité sur l'ensemble du territoire. J'ai deux unités de recherche de niveau régional ou national. Hein, la gendarmerie maritime intervient au niveau national sur tous les territoires maritimes. Il y a dans chaque brigade de gendarmerie des correspondants en technologie numérique, dans chaque département des sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces, dans chaque région des sections de recherche avec des groupes spécialisés qui sont des antennes du C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques, et qui sont notre relais, donc qui, elles, vont traiter le haut du spectre de ces attaques, et donc forment ce réseau qui est au contact des collectivités locales, des entreprises et des particuliers victimes. L'aspect complémentaire, peut-être qu'on peut évoquer la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, dans laquelle l'ensemble de l'État est engagé, l'ANSSI, les différents ministères et des partenaires privés pour apporter une réponse immédiate aux victimes de cybermalveillance, pour identifier rapidement un interlocuteur qui va les aider sur le plan technique, un prestataire technique, soit en prévention de faits pour mieux sécuriser leur système d'information, soit en réaction à un incident qui est les cas qu'on évoque ici. Et sur cette plateforme cybermalveillance, il y a des guides qui sont destinés à ces différents publics. Et sur les différents types d'attaques qu'on a pu évoquer aujourd'hui et beaucoup d'autres, il y a des conseils spécifiques, y compris comment déposer plainte, y compris un lien facilité pour nous grâce à cybermalveillance pour discuter avec la brigade numérique de la gendarmerie, qui peut aussi apporter des conseils aux entreprises et aux collectivités locales victimes. Voilà. Merci, mon colonel, pour cette petite précision très importante. Vous avez mis l'accent aussi sur le fait qu'on n'est pas tout seul au monde et que dans le monde du cyber, eh bien, il faut tous s'entraider. Ça, c'est important. Et là, j'en reviens à l'incident qu'évoquait Moïse Moyal tout à l'heure sur l'attaque de la métropole Marseille-Provence-Méditerranée. Mon petit doigt m'a dit, entendez par là Alexandre Gazola hein, de Cyber Orange Défense, que Orange est intervenu et a tiré plusieurs conséquences de cette double crise imbriquée, crise cyber et crise sanitaire. Là, je laisse Alexandre nous expliquer ce qu'il entend par là. Oui, je peux compléter du coup un petit peu le retour d'expérience de Moïse. Hein. On a accompagné la métropole d'Aix-Marseille pendant cette crise et c'est vrai que c'était en tout cas pour nous assez unique puisqu'on a dû gérer cette crise cyber avec la collectivité, avec la métropole, en même temps que se développait la crise sanitaire. C'était voilà, juste quelques jours avant le confinement. Et ce qui est peut-être intéressant à préciser, c'est que voilà, nous, on avait monté avec la métropole et avec l'ANSSI une cellule de crise. On était installé dans les locaux physiquement de la collectivité. On avait monté une cellule qui nous permettait de nous connaître, d'établir le circuit de décision, de constituer les cellules techniques pour lancer les investigations. Et puis, au bout de 4 jours, il a fallu s'inscrire le confinement et poursuivre en fait ça
à distance, organiser des moments. Voilà, c'était en tout cas pour nous la première fois qu'on faisait face à cette situation, ce besoin vraiment de se réorganiser à distance avec le client et aussi entre nous. Donc ouais, on a aussi dans cette expérience-là trouvé des opportunités, le fait d'être tous à distance. Ça nous a permis, sur le coup, de réussir à mobiliser des experts plus facilement, finalement. On a réussi à mobiliser des experts qui étaient présents dans d'autres pays et qui ont pu intervenir, du coup, à distance auprès de nous pour la métropole. Il y a eu effet aussi cet effet double crise, où finalement, les agents de la métropole étaient bloqués à leur domicile, souvent sans PC portable, donc de toute façon non connectés au système d'information, et à côté la crise cyber qui se déroulait. Donc finalement, un petit peu moins dans ce cas-là, un petit peu moins de bruit parasite à gérer pendant cette crise. Et puis le dernier effet que j'aime bien rappeler, ce qui va un petit peu à l'encontre de certaines postures, ça s'est confirmé à la métropole. La métropole pendant cette crise a été en partie, je pourrais dire, sauvé par le cloud. Les services cloud n'ont pas été touchés cette fois-ci, comme c'est le cas parfois voilà, pour d'autres clients de la région. Dans cette crise-là, les services cloud n'ont pas été touchés. Les services cloud ont permis de maintenir les moyens de communication entre nous. Les services cloud ont permis de maintenir du partage d'informations pendant cette crise. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant de le constater en ce moment. Et ensuite, je peux vous faire un dernier retour qui concerne plus la métropole cette fois-ci et qui nous ramène dans le thème du colloque, ce qui a déjà été un peu évoqué. On a su encore cette année faire profiter nos clients PME, PMI d'expériences qu'on a pu vivre chez des grands comptes. Donc, je pense notamment à des résultats d'investigation, Moïse a évoqué un petit peu ces points-là, hein. Des résultats d'investigation qu'on a pu mettre à profit immédiatement pour des clients du territoire, ce qui nous a permis plusieurs fois d'identifier une présence malveillante avant même que l'attaque ne soit déclenchée. Voilà, donc pour Orange Cyberdéfense, le challenge sur le territoire, c'est vraiment de continuer à développer notre force de frappe nationale et internationale, mais de rester plus que jamais en capacité de servir l'écosystème local dans la région. Oui, merci Alexandre. Ce que vous venez de dire est très important, c'est-à-dire que ce qui arrive aux uns aux autres serve en fin de compte à la communauté complète, tout le tissu économique, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça, c'est très important. Et ça, encore faut-il, vous l'avez dit vous-même, exploiter les retours d'expérience, ne pas dire « bon, c'est fini, l'affaire est passée, on a réparé », on oublie. Non, il faut comprendre et il faut l'utiliser pour prévenir, parer d'autres attaques, pas soi-même, mais aussi ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Ça me semble complètement pertinent et important. Ce qui me permet de me retourner à nouveau vers Jacques Martinon, notre magistrat, pour la dernière question de cette table ronde. Monsieur Martinon, vous aussi, vous avez des cas concrets, hein, que vous avez pu suivre ou étudier au niveau de la justice. Y a-t-il un principe, une règle, un réflexe que vous voudriez nous faire partager? Alors, les cas évidemment sont très complexes. Des cas de rançongiciel ont été évoqués tout à l'heure, le CHU de Rouen, la métropole de Marseille, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les affaires de cyber vont pouvoir frapper tout le territoire français et que donc, autant on a un maillage territorial qu'on a mis du coup à l'échelon du parquet local avec un magistrat cyber-référent qui va bien veiller à ce que les directives de politique pénale soient appliquées, en l'occurrence sur certains du contentieux, soient centralisées du coup au parquet de Paris, qui lui va pouvoir redispatcher dans son portefeuille les affaires par affinité, par famille, dans certains cas, puisqu'on a des familles de rançongiciels ou de virus, aux différents services d'enquête pour optimiser chaque champ d'enquête. Il faut bien comprendre que ça constitue en fait des méga dossiers, c'est-à-dire que vous allez avoir 200, 300 procédures regroupées au sein d'un même service pour être efficace. Pourquoi? Déjà parce que c'est technique, il faut un service effectivement qui soit compétent, et puis on ne peut pas parler de cyber sans parler de coopération internationale
et à minima, qui peut d'ailleurs être judiciaire ou policière. On a un rôle très important d'Europol, hein, en l'occurrence, avec des bases de données, des recoupements. Donc, il faut agir localement, mais penser global, si on essayait d'un peu trouver des slogans. Ça, c'est le premier point. Vraiment, du territoire, du référent local à l'international, il ne faut pas avoir peur d'aller taper à la porte d'Interpol, d'Europol, du FBI, etc., parce qu'en réalité, les acteurs n'ont pas vraiment de précaré et ont tendance vraiment à frapper large. C'est plutôt finalement la fragilité des victimes qui est le point commun, mais ce n'est pas tellement la nationalité. Et le deuxième, peut-être, la petite formule un petit peu en porte-pièce, mais c'est de dire les apparences sont parfois trompeuses. Et je reboucle avec un de mes promos liminaires entre la porosité entre la cybercriminalité et la cyberdéfense. Pour citer des cas concrets, on a eu l'affaire en France TV5Monde, qui, souvenez-vous, à l'origine était revendiquée par un cybercalifat, qui s'est avéré bien loin d'un califat, avec des pistes qui semblent se diriger vers autre chose. Je reste un peu flou pour des raisons géopolitiques, mais enfin, un moteur de recherche comme Google vous donnera des éléments intéressants. Donc ça, il faut se méfier. On a aussi des affaires comme NotPetya. Je cite aussi NotPetya parce que la France dirige l'équipe commune d'enquête, c'est-à-dire que vous avez au niveau d'Eurojust un agrégat d'enquête judiciaire, et il y a forcément un leader, en l'occurrence la France est leader. Donc on a un rôle particulier là-dessus, qui a d'abord touché l'Ukraine et après qui s'est répandu par l'interconnexion des réseaux. C'est aussi une caractéristique particulière, hein, les effets rebonds, avec du coup, des armes cyber qui vont peut-être être plus difficiles à contrôler que d'autres types d'actions, parfois de puissance étrangère. Donc, cet entremêlement, ce brouillard, il est aussi à prendre en compte parce que lorsque vous allez réfléchir en termes de coopération judiciaire, ça va être parfois mêlé d'éléments géopolitiques. Donc, c'est à ce point intéressant qu'on observe au niveau mondial, pour vraiment dézoomer au maximum, un activisme très fort du département de la justice américaine, le DOJ, qui, et j'invite les spectateurs qui seront un peu curieux de ça et qui ne sont pas rebutés pour lire un peu d'anglais, d'aller sur le site internet du DOJ, rubrique Cybercrimes, et vous allez avoir ce qu'on appelle des actes d'accusation en anglais, qui sont extrêmement fournis et qui vont viser, avec photographie et moult détails, des services ou des proxys de services étrangers. Vous vous souvenez peut-être du piratage de l'affaire Sony, qui avait fait grand bruit. Vous avez un document judiciaire, de plusieurs dizaines de pages, qui semble attribuer la chose au gouvernement nord-coréen. Voilà. Donc vous avez tout un tas d'éléments, et derrière, vous avez des mandats d'arrêt, vous avez des gels d'avoirs, etc. Donc c'est tout à fait important et intéressant à suivre au niveau cyber. Donc c'est quand même assez particulier. Et je finirai juste là-dessus pour revenir aux pratico-pratiques, parce que c'est souvent un point qui nous gêne, au-delà du chiffre noir, c'est-à-dire le fait que les victimes ne portent pas toujours plainte pour différentes raisons. On a mis en place des plateformes comme Asimage. Eric d'ailleurs a fait une très bonne promotion d'Asima tout à l'heure sur toutes les possibilités de cette plateforme. L'intérêt aussi, c'est de, dans le parcours victime, de guider les victimes qui sont attirées là par un besoin urgent de remédiation, de les guider tranquillement vers le bon service aussi pour porter plainte et pour que l'affaire soit connue des autorités judiciaires et qu'on puisse avancer pour in fine dissuader les auteurs. Et dans l'aspect remédiation, il faut cumuler les impératifs de la remédiation et de la future enquête. Je donne souvent la métaphore de la scène de crime. Oui, les pompiers vont intervenir souvent, mais ils vont intervenir de manière la moins invasive pour la scène de crime postérieure et à minima acter tout ce qu'ils auraient pu bouger sur une scène de crime. J'ai été juge d'instruction auparavant. Voilà, on arrive, on sait ce qui a été déplacé et on arrive à reconstruire les choses. C'est vraiment à l'identique sur la scène des crimes numériques, il faut préserver les éléments et s'il y a des modifications, au moins les comprendre pour pouvoir rebrousser chemin. Il n'y a rien de pire que d'intervenir tardivement et sur un sol informatique vitrifié. Et donc, je suis particulièrement heureux d'ailleurs que la CIMA ait aussi lancé cette politique de labellisation des acteurs de remédiation qui intègre dans les objectifs, notamment la prise en compte de la scène de crimes numériques. Voilà, je m'en tiendrai à ces propos. Merci, Monsieur Martineau, merci, mon colonel, merci, Monsieur Moyal,
Merci, Monsieur Gazola. Merci. Ces propos venaient clore cette table ronde sur le risque cyber des menaces protéiformes et l'approche que nous en avons tous, services de l'État, comme entreprise chargée justement de la cybersécurité. Merci, merci encore pour votre participation. Et nous allons évoquer maintenant, enfin, pas tout de suite, la naissance de l'Internet. On va faire un grand écart, mais avant de parler de l'Internet d'hier qui nous pose quelques problèmes en matière de cybersécurité aujourd'hui, et Louis Pouzin, qui est un des pères fondateurs, nous expliquera pourquoi aujourd'hui c'est aussi fragile et pourquoi demain il nous faudra un autre Internet ou un Internet parallèle qui viendra le remplacer au fur et à mesure tout en sécurité. Eh bien, je voudrais vous remercier et passer maintenant la parole à l'autre table ronde qui va s'intéresser cette fois un peu plus rapprochée du citoyen à protéger les publics vulnérables, que ce soit le citoyen, vous-même, les personnes fragiles qui sont autour de nous et les petites et moyennes entreprises. Et j'appelle pour cela avec moi sur la table ronde, eh bien, Thierry Jardin, qui est le coordinateur cyber du centre régional de la Fondation méditerranéenne eurostratégique. J'appelle aussi avec moi Laure Coroma, qui représentera l'association Emmaüs Connect, qui s'adresse, elle, encore aussi aux personnes les plus vulnérables. Merci d'être avec nous, tous les deux, sur cette table ronde très, très centrée sur les petites entreprises et les personnes vulnérables et qui ont besoin d'être accompagnées. Je vais, rapidement, pour que l'on comprenne, passer la parole à Thierry Jardin. Est-ce que vous pouvez nous dire, en grande définition, ce qu'est la Fondation Euro-Méditerranéenne Stratégique et quel est son apport dans notre paysage régional? Excusez-moi, vous m'entendez? Voilà, c'est bon Thierry. Tout à fait. L'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, donc la FMES, est un centre de ressources de la région qui est spécialisé dans les domaines de la réflexion sur les enjeux méditerranéens et maritimes et concourt depuis 2017 à soutenir l'économie de défense et duale en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En qualité de centre de ressources, l'Institut FMES développe des outils concrets d'aide à la protection du patrimoine informationnel des entreprises régionales, notamment les PME et les TPE. Ces actions conduisent donc l'Institut FMES à renforcer la protection des entreprises, en particulier celles qui détiennent du savoir-faire sensible. Donc, en parallèle, en relais de l'agence de l'ANSSI, donc de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Institut conduit des actions de sensibilisation et de formation aux enjeux de l'intelligence économique et de la cybersécurité. Et c'est des actions qui font partie intégrante des actions réalisées par la région. Donc, notamment en déclinaison de ces actions, ça a conduit la FMES à réaliser la création d'un label régional d'intelligence économique et la création du centre régional de ressources cyber, le C2RC. Donc, concernant le label régional, régional a pour objectif de faire un diagnostic global de l'entreprise en termes de sécurité physique, numérique, mais également d'un point de vue concurrentiel et marché. Il y a ensuite une sensibilisation et une montée en compétences de l'ensemble de l'entreprise en termes de sécurité économique et de protection de l'information. Et enfin, dernier point, l'objectif, c'est d'offrir aux entreprises de l'information précise et personnalisée, pédagogique, donc adaptée à notre auditoire, puisqu'on a, dans la première table ronde, on a parlé de beaucoup de choses, mais qui sont assez techniques pour un patron d'entreprise et une petite PME. En cybersécurité, ainsi qu'une, ce qui est important, une aide en cas de cyberattaque. Donc, ça m'amène à parler du C2RC. Donc là, j'ai un petit schéma
J'espère que vous le voyez bien. Donc, en fait, le positionnement du CDRC vient combler un manque que nous avons aujourd'hui. Si vous êtes une petite PME, aujourd'hui, vous avez deux possibilités si vous êtes victime d'une cyberattaque. Soit vous vous adressez à l'ANSSI, mais l'ANSSI adresse les grandes administrations, les grandes entreprises. On a parlé de la métropole ex-Marseille. Les grandes entreprises du CAC 40, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs qui sont les opérateurs d'importance vitaux ou les opérateurs de services essentiels, et se concentrent essentiellement sur ces acteurs-là. À l'autre bout de l'échelle, on a parlé aussi de cybermalveillance.gouv.fr. Lui adresse essentiellement les particuliers ou les TPE, en leur fournissant un certain nombre d'informations, de guides de bonnes pratiques et aussi en les orientant vers des prestataires pouvant les aider dans la résolution de leur incident. Entre les deux, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise qui est un peu plus conséquente, vous n'avez pas d'interlocuteur pour ces aspects-là. Et notamment, l'interlocuteur en réponse à incident est ce qu'on appelle un CERT ou CECIRT, donc CERT, Centre de réponse à incident, qui va pouvoir traiter votre demande et vous apporter des solutions. Donc le CDERC, qui est donc une structure purement régionale en région PACA, donc financée par la région Sud, apporte ce service de premier secours, on va dire, le SAMU un peu, de façon à pouvoir répondre à des problématiques qui sont légèrement plus complexes que celle du particulier qui a son PC avec un ransomware installé, mais qui ne sont pas quand même d'un niveau de complexité tel que ça nécessite l'intervention de l'ANSSI. Voilà, donc le CDERC donc, est une structure dont l'inauguration a eu lieu le 13 octobre en présence de Guillaume Poupard, et donc qui a pour vocation à adresser donc ces PME, TPE, et aussi, chose très importante dans l'avenir, en 2021, les collectivités locales de la région, donc on parle de toutes les mairies, les petites mairies, qui sont aussi extrêmement victimes de ces différentes attaques. Merci pour cette précision. C'est important que nos PME, PMI au niveau régional sachent que la FMES et le CDRC, hein, dont tu es le coordinateur cyber, participent à leur protection, les aides au quotidien dans ce milieu-là. Et merci aussi pour ce petit aparté qui était important, savoir que la Fondation a mis en place un label intelligence économique qui est ce qui englobe la problématique cyber, mais aussi les problématiques de sûreté et tout ce qui touche l'intelligence économique pour les petites et moyennes entreprises. À ce moment-là, je propose, Thierry, que nous continuions sur... rentrer dans le vif du sujet, que l'on peut dire des missions en elles-mêmes, pour être beaucoup plus dans le détail et pour que nos chefs d'entreprise soient intéressés à venir vous retrouver, que fait le CDERC pour, en rentrant vraiment dans le détail. Alors le CDERC, en activité, a trois activités principales. Il y a une activité de veille, à la fois sur les vulnérabilités qui peuvent concerner le système d'information. Donc, nous avons éventuellement assez souvent des alertes provenant de l'ANSSI sur des potentialités d'attaque, notamment par des ransomware ou d'autres moyens qui peuvent concerner les entreprises. Donc, ces alertes sont émises par l'ANSSI au travers de son CERT, le CERT-FR. Et nous, en tant que CERT, donc en cours de constitution, on reçoit ces alertes et on peut donc les diffuser, les adapter à nos différentes populations de nos adhérents. Donc, ceci m'amène à dire que donc pour avoir accès aux services du CDERC, il faut procéder à une adhésion. Donc, les participants à la labellisation intelligence économique ont bien évidemment accès aux services du CDERC. Mais les autres entreprises, les autres PME de la région, donc c'est un service qui est dédié à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, peuvent aussi adhérer
à ce service. Alors, cette adhésion est gratuite, ce qui est important, mais ça nous permet d'avoir déjà quelques éléments d'information sur le système d'information de l'entreprise. Ceci est important puisque on génère des alertes. Donc, ces alertes peuvent concerner éventuellement des aspects que pour lesquels l'entreprise est concernée parce que elle a des composantes de ce système d'information qu'elle utilise pour son fonctionnement. Ou on peut aussi diffuser, et ce qui est prévu de diffuser, c'est des newsletters qui vulgarisent un peu toutes ces attaques qui existent. Et qui sont aussi relayés d'ailleurs par notre compte LinkedIn et notre compte Twitter. Donc ça, c'est un système d'alerte. Et enfin, il y a la réponse incident. Donc la réponse incident, c'est un service d'écoute, on va dire, à destination d'un responsable d'entreprise qui, face à une situation de cyberattaque, ou très souvent, puisque pour les PME, on a, je dirais, peut-être 20% concerne des attaques telles qu'on les a décrites précédemment, mais souvent, pour 80% des cas, ce sont souvent des escroqueries de type fraude au président, c'est-à-dire que l'escroc demande un virement vers une banque à l'étranger d'une certaine somme d'argent et utilise pour cela un peu ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire les connaissances qu'il peut avoir sur une entreprise et se fait passer pour un des responsables d'entreprise pour demander au comptable de virer de l'argent à l'extérieur. D'ailleurs, pour illustrer un peu ce type d'action, on a eu notre première attaque à traiter, qui était donc une fraude au président. Donc, une des PME nous a alerté car son directeur général, donc la comptable avait reçu un mail du directeur général lui demandant en urgence de virer une somme sur une banque anglaise, donc à Londres. Alors évidemment, nous avons été appelés sur cette attaque et nous avons constaté qu'évidemment il n'y avait pas eu de usurpation d'identité, mais c'est simplement c'était une adresse Gmail, mais avec sous le nom de la personne qui était effectivement directeur général, et qui adressait et qui ciblait précisément donc la comptable. Donc on a assuré donc un certain nombre de sécurité. Notamment, on s'est aperçu à cette occasion que beaucoup d'informations qui avaient été utilisées certainement dans cette attaque, comme les adresses email ou la connaissance du nom de la comptable de l'entreprise, étaient disponibles sur le site internet de l'entreprise, donc une politique de nettoyer un peu toutes ces pages sur lesquelles on peut se renseigner, donc c'est la partie social engineering. Et puis d'autre part, nous sommes en relation avec les services de police et de gendarmerie. Cet escroc nous avait envoyé son IBAN que nous avons transmis donc à la brigade donc NTEC du Var pour investigation et pour qu'ils puissent, je dirais, voir et éventuellement ce que ça pouvait donner. Donc ça, c'est un point qui est important. D'autre part, on assure aussi tous les signalements qui peuvent être faits de phishing, de spam, puisqu'il y a des sites, comme on l'a dit, qui existent, mais en général, le responsable d'entreprise est pris un peu, est en mode panique et donc ne pense pas à tout ça. Donc, on assure tous ces services-là. Et enfin, si la situation s'avère grave, par exemple un ransomware qui s'est déployé sur tout le système d'information de l'entreprise, on fait appel à des entreprises, des prestataires cyber de la région. Donc, on a aussi une fonction de référencer un certain nombre de prestataires régionales qui peuvent intervenir, sachant que pour des raisons de qualité et de confiance telles qu'il a été décrit dans la précédente table ronde, on privilégie bien évidemment des entreprises qui ont des qualifications soit par l'ANSSI, soit par cybermalveillance. Voilà, donc de façon à assurer un niveau de qualité pour ces interventions.
Merci Thierry pour toutes ces précisions. Donc on a le focus sur ce qu'est la Fondation Méditerranée Stratégique et ce qu'est le Centre Cyber Régional et sa mission. Merci pour ton intervention. Reste avec nous puisque nous allons donner la parole à Laure Coloma. Alors, vous le savez, hein, lorsque nous étions entretenus au téléphone, moi j'ai été surpris d'apprendre que Emmaüs, que nous connaissons tous, que nous connaissons bien, s'était lancé dans ce nouveau défi que nous saluons d'ailleurs au passage, Emmaüs Connect. Pouvez-vous nous en dire plus et comment est-ce que vous aidez ce public ô combien vulnérable? Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Laure Coloma et je travaille chez Emmaüs Connect en tant qu'animatrice numérique. En fait, Emmaüs Connect, c'est une branche d'Emmaüs. C'est une association qui agit depuis 2013 contre l'exclusion numérique. Donc nous, on parle d'exclusion numérique, on appelle ça aussi la précarité numérique. Et on cible en fait deux formes de précarité numérique. La première, c'est vraiment l'électronisme ou l'illettrisme numérique. Ça, ce sont par exemple les 13 millions de Français, soit 20% de la population française, qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation des outils digitaux. Et donc, cette question de l'électronisme, elle est aussi très épineuse en ce moment, puisque le gouvernement, il vise à assurer 100% des démarches en ligne d'ici 2022. Et que, par exemple, Pôle emploi a déjà dématérialisé tous ses services. Donc ça, c'est un peu le premier visage de cette nouvelle forme d'exclusion. Le second, c'est surtout le manque d'accès aux outils. Donc ça, c'est par exemple les 12% de Français qui n'ont pas d'équipement Internet à domicile. Mais on a aussi des chiffres comme 40% des ménages pauvres qui expriment des difficultés à accéder au numérique. Donc notre but chez Emmaüs Connect, nous, c'est de faire du numérique une chance pour tous. Donc pour cela, on met en place en fait trois grandes actions. La première, c'est des formations à destination des acteurs sociaux et des intervenants numériques. Donc la seconde, ensuite, c'est plutôt le fait qu'on publie en ligne des cahiers solidaires où on fait de la sensibilisation et on essaye d'étudier les solutions sociales et numériques de demain. Et enfin, la dernière grande action, c'est celle qui nous intéresse le plus ici, c'est notre réseau de terrain. Donc, on a 13 points d'accueil dans 11 grandes villes en France. Et ces points d'accueil, ils bénéficient à peu près à 38 000 personnes. Donc ça va être des publics qui vont nous être orientés par d'autres structures sociales. C'est 38 000 personnes qui vont bénéficier de différents services totalement gratuits qu'on va leur offrir. Et on a des profils très divers, âgés, qui n'ont jamais été accompagnés dans l'apprentissage. Oui, on a par exemple des familles à très petits revenus. Et ces services, ils vont être animés à la fois par des employés d'Emmaüs Connect, mais aussi par un très grand nombre de bénévoles. Donc, c'est vraiment une association qui a toujours besoin de cet apport bénévole de personnes qui savent utiliser les outils numériques, l'ordinateur, le téléphone et qui vont former d'autres personnes. Donc, afin d'atteindre notre objectif, qui est l'inclusion numérique, nous, on met en place dans nos points d'accueil quatre types de services. Le premier type, c'est plutôt sur la question de l'accès aux outils. Donc là, on va essayer vraiment de répondre à la problématique de la précarité matérielle via de la vente solidaire. Donc, on va vendre des ordinateurs, des téléphones, des smartphones, des tablettes et des recherches à petit prix. Et de l'autre côté, en fait, on accompagne nos bénéficiaires dans le côté usage. Donc là, on va pouvoir mettre en place des rendez-vous de conseil où on va les aider à choisir une offre chez un opérateur, celle qui sera la plus adéquate pour par rapport à ses revenus. On fait aussi des rendez-vous de médiation. Donc là, on peut assister des personnes qui sont en litige avec leur opérateur. Et enfin, on propose une gamme aussi d'ateliers d'initiation aux outils numériques. Donc, en fait, là, c'est vraiment lors de ces ateliers qu'on va vraiment essayer de rassurer nos bénéficiaires quant à l'utilisation de ces nouveaux outils et introduire surtout des bons réflexes liés à la cybersécurité. Donc, ces ateliers, ils existent dans plusieurs formats différents, mais il y en a vraiment deux qui se retrouvent dans tous nos points d'accueil. Le premier, c'est l'atelier d'initiation à l'ordinateur. Ça, c'est un parcours de 16 heures sur un mois
qui se passe par tranche de 2 heures. Donc là, on va y former des très grands débutants. Ça, c'est principalement les publics qui viennent chez nous. C'est des gens qui connaissent pas du tout l'ordinateur. Pour eux, découvrir le clavier, la souris, c'est déjà un très grand pas. Et donc, lors de cet atelier d'initiation, ils vont apprendre à utiliser le clavier, la souris, à commencer à naviguer sur Internet, créer une boîte mail, etc. Et notre deuxième format, c'est les permanences connectées. Donc ça, c'est des sessions de 1h30 qui sont un peu à la carte. Là, en général, on a des utilisateurs qui sont un peu plus confirmés, qui ont souvent déjà fait le parcours d'initiation à l'ordinateur. Et donc, ils vont pouvoir s'inscrire un peu quand ils veulent à ces permanences connectées. Ça peut être autant 2 fois par semaine qu'une fois tous les 3 mois, par exemple. Et ils viennent avec leurs besoins. Donc, par exemple, il y en a qui vont avoir envie de découvrir vraiment le site de Pôle emploi ou certains qui vont vouloir poser plus de questions sur l'organisation de leurs fichiers. Et lors de ces permanences connectées, il y a un bénévole qui va vraiment les aider, les accompagner pour répondre à leurs questions. Voilà. Merci. Oui, merci Laure, c'est exactement... vous avez balayé tout ce que nous avions évoqué ensemble pour préparer ce colloque. Et cela nous conforte dans l'idée que 13 millions de Français... C'est quand même beaucoup de monde qui ne sont pas, accros, ou en tout cas, qui n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser correctement les outils numériques. Donc, quelque part, merci à votre association parce qu'elle permet, comme vous le dites, ce sont principalement des bénévoles, ce sont des gens qui se mettent au service des autres. Et on est dans l'esprit de l'accompagnement. Vous avez aussi précisé que l'aspect cybersécurité était quelque chose qui était pris en compte. Et donc, pour appréhender cet outil et ne pas en avoir peur, merci aussi, vous l'avez dit, de à la fois l'usage, mais à la fois l'usage en sécurité. Ça, je vous remercie, Laure, et je vous remercie, Thierry, pour tous les deux, pour votre présence avec nous sur cette table ronde très, très eurocentrée, enfin, centrée sur à la fois les petites entreprises et à la fois sur le citoyen. Monsieur Tout-le-Monde, 13 millions de Français, on touche Monsieur Tout-le-Monde, nous sommes d'accord. Et de fait, je vous remercie pour votre présence et je vais maintenant conclure ce colloque faisant un grand écart cette fois. Nous allons essayer de comprendre avec Louis Pouzin, qui est un des pères fondateurs de l'Internet, pourquoi aujourd'hui nous vivons cela en permanence. J'appelle donc Louis Pouzin avec moi sur le plateau. Chantal et Louis, vous êtes normalement avec nous. Ah, je vous entends, Chantal. Bonjour, Louis. Je vous remercie d'être avec nous et d'avoir patienté. Alors, déjà, je vais vous présenter parce que Louis Pouzin, 94 ans. Ah non. Félicitations. Encore, 90. 80. Et 90. 90 ans. Pardon, comme quoi ma calculatrice n'était pas bonne. Je m'en excuse. Okay, encore. Louis Pouzin, polytechnicien, ingénieur informatique, inventeur du datagramme, nous en reparlerons, ancien directeur du projet français Cyclad. Il est aujourd'hui promoteur de RINA, en anglais, Retrieve Internet Work Architecture, l'Internet de demain. Monsieur Pouzin, Louis, dans son dernier roman, Comédie française, Éric Reynard fait la part belle au génie français dans la construction d'Internet. Pour autant, tout le monde sait que l'Internet est une création américaine. Là, je joue la provoque. Ce n'est pas tout à fait la vérité? Bien sûr que si. Seulement, les Français n'ont pas le... L'os du business. Donc ça, c'est le point le plus difficile à faire entrer dans la tête des gens parce que ce n'est pas du tout le même genre d'activité, ce n'est pas le même genre de formation et ce n'est surtout pas le même genre de motivation. Quand on fait business, on fait de l'argent. Quand on fait de l'informatique, la plupart du temps, eh bien, on fait des concepts. On travaille sur des concepts et on aime bien les communiquer. Souvent gratuitement.
Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais en effet, on a des ancêtres informaticiens qui ne sont pas toujours connus. Et ça intéresse beaucoup de Français qui aiment bien, je ne dirais pas s'amuser, mais enfin se former eux-mêmes avec leur PC ou leur Mac, etc. Mais simplement, ils font ça un peu pour à la fois se former personnellement et aussi aider les autres. Mais c'est pas le style business. Alors par ailleurs, ben, de fait, on a depuis longtemps, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'informatique. Donc l'informatique, alors j'ai fait polytechnique, mais je ne me suis pas tellement intéressé aux mathématiques. J'ai plutôt fait des services sociaux. Et après, l'informatique est arrivée, donc je suis allé au MIT pour pouvoir apprendre à la fois l'anglais et l'informatique. Et de ce fait, j'étais assez en avance sur l'époque en France, parce que en France, à l'époque, il n'y avait pas encore de formation, et les gens ne savaient pas ce que c'était. Alors, on a donc petit à petit développé ça, et maintenant, il y a beaucoup de gens très compétents en France. Et alors, le point à franchir, c'était qu'est-ce qu'on fait des Américains ? Parce qu'ils ont commencé à peu près 10 ans plus tard que nous en France. Et ils ont repris, pas complètement d'ailleurs, ce qu'on avait développé pour Cyclades. Alors ça veut dire que, en fait, ils ont un petit peu représenté dans leur communication avec l'international que c'était eux les inventeurs. Mais ça arrive assez souvent qu'il y a des faux inventeurs qui aiment bien se targuer d'avoir inventé tout, quoi. Alors ça, c'est pas grave. L'important, c'est que les vérités soient bien transmises dans la tête des gens. Et puis maintenant, chacun se démerde comme il veut pour faire de l'argent s'il a envie. Oui, c'est-à-dire que vous disiez, ce que vous dites en substance, c'est que ce qui sert à faire l'Internet des réseaux, le TCP/IP, hein, je laisse tomber la transformation anglaise, la signification anglaise de cet acronyme, n'est pas conforme, c'est ce que vous dites en substance, au projet initial, ce que vous aviez vous-même créé et imaginé. Et c'est ça qui serait le problème de cybersécurité aujourd'hui ? On avait commencé, nous, à introduire là-dedans des outils de sécurité, mais pas les Américains, qu'on considérait à l'époque que ce n'était pas encore d'actualité, et ils n'avaient apparemment pas tellement d'expérience sur le sujet. Donc ça a été passé à la casserole. Mais pour le reste, on a introduit dans Cyclades des outils de sécurité qui ont été un peu perdus parce que, à l'époque, le président de la République en France était Giscard. Il s'est fait embobiner par le PDG de la CGE qui était Ambroise Roux. Et ils ont considéré qu'il n'y avait pas besoin de développer une industrie en France pour l'informatique. Alors ça, c'était la réponse. Alors depuis, comme j'avais évidemment des contacts, j'ai toujours gardé des contacts avec des collègues aux États-Unis. Et il y a un personnage qui s'appelle John Day, qui était à l'Université de Boston, et qui avait développé un nouveau concept pour créer les réseaux. C'est ça qui s'appelle RINA, que vous avez cité. Alors, ça a été développé en 2008. John Day a publié un livre à cette époque, mais c'est resté très confidentiel, parce que c'était à l'époque encore la gloire de TCP/IP qui se présentait comme la seule solution possible. Alors évidemment, à partir du moment où on a fait un peu de propagande pour RINA, grâce au fait que John Day pouvait nous faciliter la présentation des concepts, eh bien, ils ont commencé à voir en Europe, grâce à la communauté européenne qui a mis de l'argent dans ces projets,
C'est-à-dire que depuis 2009 à peu près, la communauté a bien financé les projets sur Vina. Alors ça a mis un peu les Américains sur la défensive. Et ben ils ont continué sur TCP/IP. Et nous, on a commencé à former des équipes dans différents pays d'Europe, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède, en Italie, en Norvège, en Italie, oui, mais oui, vous me dites que ça, Rina, ça a commencé en Europe 2008-2009, ça fait déjà 11 ans, et, oui. Et ça n'émerge pas pour autant? Ça a commencé à partir du moment où on a eu des crédits sérieux de la commission. Ça a permis de financer les petites équipes dont j'ai parlé, d'abord se former, avoir le temps de créer de la documentation, former des élèves, etc. Maintenant, c'est bien parti. Et je crois que ce n'est pas réversible. Mais ce n'est pas pour autant que ça a été répandu partout dans le monde. Parce que c'était pas dans le plan de bataille de l'ICANN, c'est-à-dire le monopole de l'Internet américain. Alors on a laissé faire parce qu'on n'avait pas les moyens. Et en fait, on a trouvé récemment, il y a eu une compagnie japonaise dont on ne connaissait pas même l'existence, qui a aussi travaillé sur RINA, mais qui commercialise des applications. Donc, ça sera peut-être un point d'ancrage intéressant pour déplacer le centre d'intérêt dans la partie à la fois américaine et la partie, Europe de l'Est. Donc, ça, c'est pas mal parti, mais il ne faut pas croire que ça va arriver demain. Et pour faire changer les opinions des gens, il faut quand même un certain nombre d'années. D'autant qu'on est biberonné au point .fr, au point .fr, au point .ue, au point .org. C'est ça l'ICANN? C'est ça, oui, l'ICANN, c'est tout ce que de terminaison. Le monopole auto-proclamé pour l'existence des noms de domaine. Par exemple, .fr, c'est dans l'annuaire de l'ICANN. Tous les points qui se terminent, le dernier mot d'une adresse, c'est les noms de domaine. Alors on a créé un, je ne pourrais pas dire un anti, mais on a créé un substitut au répertoire de l'ICANN, qui s'appelle OpenRoute. Alors ça nous permet, on a créé ça en 2012, alors ça nous permet de vendre des noms de domaine de premier niveau, alors que chez l'ICANN, il faut les louer à des prix considérables. Alors, à partir du moment où on vend des noms de domaine gratuits, pas gratuits, mais très bon marché, on pourrait dire que c'est du prix coûtant, quoi. Il nous faut bien évidemment des ordinateurs et un peu de personnel pour que ça marche. Alors, oui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si on passe par l'OpenRoute, en fin de compte, on est propriétaire de son nom de domaine, on fait ce qu'on veut en sous-déclinaison après, et ce ne devient plus une rente, c'est toute la différence qu'il y a entre l'achat et la location. Quoi. Ça ne devient plus une rente pour l'ICANN. Nos clients sont propriétaires de leur nom de domaine. Par exemple, le point .wa, ça veut dire Western Armenia. La Western Armenia, c'est la partie de la Turquie qui est arménienne. Mais comme ils n'avaient pas le droit d'avoir un nom de domaine à cause de l'opposition du gouvernement turc, et on leur a vendu le point .wa. Alors ça, on fait ça à chaque fois. Vous faites de la résistance, alors. une forme de déplacement des intérêts du marché. Parce qu'évidemment, on n'a pas la masse de noms, les milliers de noms de domaines qui sont gérés par l'ICANN, c'est une source financière importante. Évidemment, les gens qui s'en servent aujourd'hui,
ou bien ne connaissent pas RINA, ou bien ne voient pas l'intérêt tout de suite de changer, parce que changer de nom de domaine, ça veut dire aussi, en prenant RINA, ça veut dire aussi, de changer la formation de leur personnel, ça veut dire créer dans leur entreprise une nouvelle manière de faire fonctionner de l'Internet. Donc c'est pas toujours quelque chose qui paraît à faire instantanément. Donc aujourd'hui, on est sur la trace d'une nouvelle ère, une nouvelle existence de l'Internet, mais non pas centralisée du tout, parce que ce que l'on met à la tête des chambres, qu'on propose aux gens, c'est OpenRoute avec RINA, ce qui leur permet de pouvoir communiquer avec tous les sites de l'Internet qui existent aujourd'hui, bien qu'ils soient gérés par l'ICANN. Parce qu'on a donc des logiciels de compatibilité qui permettent, à partir d'un utilisateur de RINA, de se servir d'applications qui sont sous des noms de domaine de l'ICANN. À un prix très très différent. Et regarde ce que vous me dites, c'est-à-dire que si RINA était utilisé, est-ce que on serait, pour nos téléspectateurs moyens, nos auditeurs moyens comme moi d'ailleurs, est-ce qu'on serait plus protégé en matière de cybersécurité qu'on l'est aujourd'hui? De votre côté, oui. C'est-à-dire que si vous utilisez RINA sur un ordinateur avec RINA, vous êtes protégé contre les attaques extérieures. Maintenant, dans votre partie de l'Internet, si vous utilisez TCP/IP, ben, vous ne serez pas plus protégé que maintenant. Ça, c'est comme ça. Alors, on peut toujours utiliser des outils pour d'une part. D'autre part, il faut aussi former les gens pour les utiliser. Donc, il y a toujours des difficultés lorsqu'on sort complètement de choses qui ont déjà été prouvées. Mais c'est faisable, c'est sûr. Donc, les grandes entreprises, par exemple, Ericsson Allemagne, qui est une des sociétés du grand trust Ericsson, basée en Suède. Eh bien, eux, ils peuvent, ils ont décidé de développer la nouvelle téléphonie 5G en utilisant RINA. Et en fait, le service qu'on offre aux utilisateurs en utilisant RINA, ça n'a pas forcément de rapport avec la manière dont c'est implémenté au niveau du réseau. Le réseau, c'est un système essentiellement de compatibilité et de conversion entre les différents sites, entre les différents centres, et ensuite peut utiliser les applications qu'ils souhaitent. Alors, elles seront plus ou moins protégées suivant qu'ils soient dans RINA ou qu'ils soient dans TCP, dans TCP. Vous disiez dans notre entretien téléphonique qu'un cheval de Troie, par exemple, serait aveugle dans RINA. Bon, c'est-à-dire que... Il y aura toujours, je pense, dans quel système que ce soit, même s'il est théoriquement protégé, il y aura toujours quelques bugs. Et les gens qui implémenteront leur variante de RINA, il est possible qu'il y ait des bugs. Mais ce qui se passe, c'est que le morceau de, on va dire, le logiciel que vous utilisez dans votre RINA, il est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible des autres utilisateurs qui fonctionnent dans RINA. C'est-à-dire que même de très bons hackers, s'ils ne pénètrent pas dans un bloc, dans une partie d'application de RINA, ils n'auront accès nulle part ailleurs. Donc là encore, c'est un petit jeu du chat et la souris, c'est-à-dire que si on trouve des bugs, et il y en aura forcément, parce que c'est quand même des humains qui écrivent les logiciels, donc eh bien on les corrige, mais ils ne peuvent pas se propager à l'intérieur d'un site pour perturber les autres.
Rina, ce que vous me dites, c'est que Rina, comme c'est fait par compartiment, par cluster, par container, ça porte d'ailleurs bien son nom, des containers, c'est un peu comme quand on voulait prendre un château fort, dessiné par Vauban, avant d'arriver à la tour centrale, fallait qu'on en passe et quelques-uns qui n'avaient pas forcément le concept de firewall, on rapproche du firewall et compagnie, mais là c'était vraiment, fallait qu'on passe plusieurs citadelles avant d'arriver à la citadelle centrale. C'est ça, c'est ça. On trouve que en fait, elles sont à 5 km que vous voulez les unes des autres. Donc, c'est ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Vous aviez quelque chose à me dire sur un projet français ? Tu peux en parler. Sans donner de nom, hein, et sans trahir de secret. Moi, je peux en parler. Je vais taper sur les doigts. On n'a pas encore avancé. Ah, bah, le dites pas alors. Non, mais je peux le dire. Non, parce que ça prendra quand même un certain temps à se divulguer. À ce moment-là, ce sera probablement divulgué. Il y a quelque part au sud de Paris une ancienne base militaire qui était Rétigny. Hein. Oui, on ne connaît que celle-là. Okay. Ils ont décidé de passer d'utiliser Rina. Là. Donc, ils ont créé on appelle ça un syndicat ou un consortium, comme vous voulez. Et là-dessus, on va développer Rina avec toutes les applications qui sont nécessaires pour leurs clients, parce que c'est un site qui est en fait multisite. Il y a un emplacement, il y a un parc technologique, si on veut, mais non seulement il y a les créateurs de techno, mais il y a aussi les utilisateurs de techno dans ce parc. Des écoles. Il y a aussi des écoles, des formations, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour amener cette nouveauté à un niveau qui soit communicable à tous les groupes de citoyens qui en auront besoin. Alors, une nouvelle façon de penser l'Internet. Oui, oui. L'Internet, il est décentralisé. Décentralisé, d'accord. D'accord. Bah, écoutez, Louis, merci. Merci de votre participation. Merci, Chantal, pour la connexion que vous avez pu permettre entre Louis et nous. Merci de votre patience aujourd'hui. Nous allons clore le colloque. Je remercie Privat Discus hein, et son PDG, M. Jean-Pierre Lache, qui était avec nous sur le webinaire pour son partenariat avec la gendarmerie PACA dans le cadre de ce colloque. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce colloque virtuel et qui restent dans l'ombre hein, le jour J. Vous ne les voyez pas, mais ils sont pratiquement tous autour de moi. Il y a Céline, il y a Éloi, il y a Guillaume qui fait ça à distance, il y a Dominique. Pardon pour tous ceux que je ne cite pas et qui y contribuent. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos ordinateurs. Je vous dis au revoir.